Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 3 de Je note vos clips sur FH5. Le thème de ce concours pour aujourd'hui c'est les clips de drift sur Forza. On aura des drifters de folie, donc c'est parti pour noter vos clips que vous m'avez envoyés. Vous avez donc un mois complet pour m'envoyer tous vos meilleurs clips, tout ce qui est skill, tout ce qui peut être fun, what the fuck, tout ce que vous voulez. Du moment que c'est drift, ça me va. Je vais donc regarder tous vos clips et je vais également les noter. Les meilleures notes auront des belles récompenses et à 450 millions de crédits à gagner. 3 gagnants au total, le premier qui a du coup 200 millions avec 10 voitures rares de son choix, le deuxième à 150 millions de crédits et 5 voitures rares de son choix, et enfin pour terminer, le troisième à 100 millions de crédits. C'est Vexy qui offre tous ces crédits, donc un grand merci à toi, et c'est parti pour mater tous les clips que vous m'avez envoyés. D'ailleurs juste avant, si vous souhaitez participer pour les prochains épisodes, sachez que ça se passe sur Discord. Vous pouvez également m'envoyer vos clips par mail à cette adresse mail là, pour ceux qui veulent plus de place, les clips qui sont un petit peu plus lourds, etc. Envoyer sur Discord, c'est pas toujours évident. Vous avez donc mon mail et mon Discord, n'hésitez pas à tout rejoindre et à m'envoyer vos meilleurs clips pour le prochain type qui sera annoncé d'ici quelques jours, même pas. Le premier clip qu'on va voir, c'est le clip de Hackduke. Alors malheureusement, je peux pas noter tous vos clips, il y en a certains que je vais pas forcément pouvoir bien noter ou qui sont pas hyper intéressants à regarder. En tout cas, celui-là, c'est l'un des plus regardables pour l'instant que j'ai pu voir. Donc c'est un truc extrêmement simple, extrêmement classique, on va pas se mentir. Du coup, je vais mettre un petit 4 sur 10, je pense. C'est assez facile à faire, je pense que tout le monde en est plus ou moins capable. Donc bien chaud toi quand même. Là, on est sur un clip de Trix qui est beaucoup plus intéressant. J'ai pu voir un petit peu ce qu'il a fait et franchement, c'est vraiment impressionnant. Donc bien chaud toi par avance. Donc il a la petite Turk Stallion, la Mazda, qui est très sympa d'ailleurs en drift pour ceux qui l'ont peut-être pas testé. Il va faire une espèce de reverse, en tout cas il va changer de sens pour ensuite du coup repartir de l'autre côté et continuer ensuite ton drift. Franchement je trouve ça méga clean, le clip est un petit peu plus long mais en tout cas c'est le plus important qu'on a pu voir. Donc franchement très bien joué toi, c'est super clean. Pour ce grand clip vraiment skillé, pour moi c'est un bon petit 8 sur 10, un solide 8 sur 10 même, bien joué à toi. Là on a un clip de Salva qui est sur un autre jeu, alors je saurais pas dire lequel c'est, il y a du nitro, il y a pas mal de choses, ça a l'air d'être vraiment arcade au niveau de la conduite. Je sais pas à quel point déterminer si c'est skillé ou pas, ou si c'est extrêmement facile à refaire. En tout cas c'est plutôt pas mal et ça change le jeu donc ça fait plaisir. Rien que pour ça, je te mets la moyenne, 5 sur 10, bien joué à toi. Le prochain clip, il s'agit du clip du Z, donc le Z est parmi nous, et il va nous faire un bon petit clip de drift. Alors je ne saurais pas reconnaître le jeu en tout cas, c'est un jeu qui est assez réaliste, est-ce que c'est assez tôt, je sais pas exactement. En tout cas c'est vraiment joli, la physique du drift ça a l'air aussi plutôt clean, donc bien joué à toi, franchement j'aime beaucoup, c'est un solide 7 sur 10 pour toi. On arrive donc maintenant désormais sur le prochain clip, c'est le clip de Panelka Zidane, on va aller voir ce qu'il nous propose. Vous avez même le petit code de partage, le code de la map, la voiture, tout ce qu'il faut. Il part sur un drift à l'envers pour se remettre finalement à l'endroit avec l'Impala. Déjà le réglage a l'air vraiment particulier, c'est vraiment quelque chose qui change. En plus il a une map personnalisée et ça c'est cool aussi. Je dois dire que ça change et franchement ça fait plaisir. Un petit peu d'édit également parce qu'il y a un petit cut qui a été fait ici au niveau de la vidéo. Franchement c'est pas mal du tout. Là on a encore un joli petit drift au niveau d'une espèce de rampe. Et puis finalement on arrive à la fin avec le c'est tout. Ah j'aime trop. Non, pour ton clip vraiment intéressant, le petit montage qui est fait, le réglage sur l'Impala qui change de ce qu'on peut voir d'habitude, le petit reverse au début. Franchement c'est un petit, un solide 7 sur 10 aussi je pense pour toi, bien joué. Nous voilà désormais sur le clip de Onyx qui est vraiment intéressant, il nous fait un petit jump pour rejoindre ensuite la zone de drift et partir en reverse drift. Je trouve ça vraiment trop stylé ceux qui arrivent à faire ça. Alors je sais qu'avec certains véhicules, certains réglages c'est pas si difficile, mais ça fait toujours un très bon effet, vraiment sympa, donc bien joué à toi. Le clip est clean, la voiture est clean aussi, bref c'est vraiment très propre. Bien joué à toi, franchement un solide 7,5 sur 10 pour toi. Nous voilà désormais sur le clip de Dederman qui arrive à 350 avec une Supra et qui va lâcher un gros coup de frein à main en plein milieu du trafic pour tout esquiver finalement. Alors c'est pas vraiment skillé je pense, c'est plutôt de la chance pour le coup. Mais le clip est plutôt pas mal franchement, fallait un petit peu de chance, on va pas se mentir, c'est pas très skillé. C'est plus pour le côté what the fuck et pour le côté chanceux, mais j'aime bien. Donc on va mettre un 5,5 sur 10 je pense, bien joué. Voici maintenant le clip de Lee Sky qui est en Mosler au niveau du festival Horizon. Il va partir en reverse drift encore une fois et il va repartir drifter ici. Ok, c'est pas très compliqué à faire encore une fois, je pense que même moi je pense que je pourrais y arriver. Mais l'idée est pas mal, c'est un véhicule qui change, c'est pas un véhicule qui est fait pour le drift de base. Donc franchement j'aime bien, pas très compliqué mais voilà, un petit 5 sur 10 je pense, c'est pas trop mal, bien joué. Nous voilà désormais au clip de Reset et c'est le dernier clip que j'ai reçu sur Discord, donc les prochains devraient être en meilleure qualité. En tout cas il est au niveau du volcan sur la zone de drift avec la Nissan Altimaniac qui a été bien repeinte d'ailleurs avec la livrée Red Bull qui rend pas mal.
et va nous faire un petit reverse, encore une fois, une espèce de petite 3-6 comme ça, dans le virage. Ça manque un peu de reprise, c'est dommage, j'ai l'impression que le drift s'arrête quasiment. C'est un petit peu dommage là-dessus, un peu plus de couple, ça aurait été sympa. Mais le clip est pas mal, franchement, bien joué à toi, un joli 6 sur 10. D'ailleurs, petite précision, parce que j'ai vu des personnes qui m'ont envoyé des clips sous forme de shorts ou de TikTok par exemple. Malheureusement, au niveau du format, je peux pas les mettre parce que ben ça ira pas tout simplement, ça va être juste horrible à regarder pour vous. Donc désolé par avance, si vous voulez les renvoyer à la limite ou la prochaine fois, les renvoyer sous vidéo normale. N'hésitez pas parce que du coup, sous format téléphone, ça va pas du tout le faire malheureusement. Désolé par avance, mais voilà, au moins c'est clair là-dessus. Bon alors, nous voici du coup sur le clip de Termi le chat. Bon, on passera les fautes d'orthographe, hein, le n'essayez pas, m'a mis très très bien. Mais bref, le clip en tout cas est intéressant étant donné qu'on est sur BeamNG, donc ça change un petit peu. Il m'a dit de mettre son clip en premier, comme ça au moins ça allait anéantir vos chances de gagner. C'était forcément lui le premier, donc on va voir ça. Vous jugerez également dans les commentaires si jamais les clips vous ont paru plus intéressants, si j'ai mal noté. Bon, évidemment, si c'est votre clip, c'est pas hyper objectif, on va dire. Mais n'hésitez pas également à donner votre avis par rapport au clip qu'on a pu voir. Si vous aurez mis d'autres notes par rapport à certains clips, faites-le moi savoir. En tout cas, son clip a l'air plutôt intéressant pour le coup. C'est pas pixel, on peut voir qu'il y a des petits moments où c'est pas idéal, on va dire. Mais je sais que sur BeamNG, c'est pas forcément évident. En tout cas, c'est pas aussi facile que sur Forza pour drifter. Donc franchement, c'est pas trop mal. C'est plutôt bien maîtrisé, c'est plutôt joli. Bien joué à toi en tout cas. Je mettrai un solide 710, je pense. Bien joué. Le prochain clip, c'est celui de Raftcraft et il est vraiment trop stylé. Le montage est très bien fait et tout. Il a bien avancé son projet. Il a la petite Cadillac qui est très jolie d'ailleurs, qui fait un joli bruit. Il a dit qu'il fallait vite rentrer pour le dîner, donc c'est parti. Il rentre dans la voiture, il met le contact, démarre le monstre. Et c'est parti du coup pour faire le chemin jusqu'à chez lui en prenant plein de petites zones de drift en première personne. Il va prendre la zone de drift, c'est sur le chemin, en faisant pas mal de petits virages très sympas. On sent qu'il n'y a pas un skill qui est énorme, on va pas se mentir, je pense qu'il y a des clips qui étaient bien plus compliqués à faire qu'on a pu voir jusque là. Mais le montage est vraiment bien fait, quasiment 1 million de points d'ailleurs, bien joué. La petite transition pour amener même à une map qui a été faite pour le drift, franchement c'est vraiment pas mal. C'est la fin du raccourci, il arrive bientôt jusqu'à chez lui, on peut voir qu'il y a la petite maison sur la map juste à gauche ici. Et c'est parfait, il arrive à temps, franchement je trouve que c'est trop bien fait, le petit scénario, le montage et tout, franchement bien joué. Les petits crédits pour le court métrage si vous souhaitez. Et enfin vous avez également la voiture utilisée, le code de partage et aussi le code de partage pour le circuit. Donc bien joué à toi, le montage était vraiment pixel, un joli 8 sur 10. On a un clip ici de Maël qui est plutôt cool, le clip est vachement long, on va pas se mentir, il est avec une magnifique Alfa Romeo et il va tout simplement faire pas mal de drift au niveau de l'horizon Mexico. Franchement c'est pas mal, bien joué à toi. C'est un réglage en 4 roues motrices, c'est pas des drifts qui sont très compliqués à faire, mais franchement ça rend pas mal du tout. Bien joué à toi, un joli 6 sur 10. On a donc deux clips à suivre d'Aurélien. Donc là, le premier, il est au niveau des tunnels de Guanajuato avec une petite BM. Et franchement, ça rend plutôt pas mal avec l'éditeur comme ça de caméra. Il va sortir des tunnels, repasser sur le trottoir ici. Non, franchement, ça rend vraiment bien. Si vous souhaitez que ça rende vraiment très très bien comme ça au niveau de vos clips, n'hésitez pas à faire un petit peu de montage ou tout simplement la vue comme ça en mode extérieur. Franchement, ça rend vraiment très très bien. Les clips sont pas impressionnants, je pense pas que ce soit très compliqué, mais franchement bien joué. Et le deuxième clip du coup, le voici, cette fois-ci c'est avec une petite Nissan. Il va prendre le tremplin pour finalement redescendre. Ouais, j'aime bien la petite boucle comme ça, ça rend vraiment clean encore une fois. L'éditeur comme ça à l'extérieur qui nous donne une vue beaucoup plus sympa au final, hein, tout simplement. La livrée qui est sympa aussi, alors franchement c'est vraiment clean, très 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 bien joué à toi. Pour les deux clips, je mettrai un joli 7 sur 10, bien joué. Et enfin pour terminer, le dernier clip que j'ai à vous proposer, c'est le clip de Viper. Il est donc avec la Hoonigan, la Ford Mustang. Et il est sur une map en plus qui est personnalisée, donc ça fait plutôt plaisir. C'est une map en porte-avions, je dirais, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça exactement. Et il va nous faire un super travail d'editing encore une fois. En plus, on voit que le clip est vachement récent parce qu'il a le casque d'Underman. Donc le clip a été fait pour l'occasion. Et ça fait plaisir de voir des clips qui sont pas forcément faits à l'ancienne, qui sont pas juste utilisés, qui ont été faits il y a 2 ans en arrière. Là, ça fait plaisir, on voit qu'il s'est pris un petit peu la tête pour faire ce clip. C'est resté un réglage d'un véhicule qui est assez facile à prendre en main, c'est pas extrêmement ce qu'il est. Mais c'est pas forcément que ce que je demande. Je demande des clips what the fuck, des clips skillés, un petit peu d'editing, ça peut être du what the fuck, ça peut être vraiment tout n'importe quoi. Mais là pour le coup ça rend trop trop bien cette petite vue en plus qui est juste magnifique je trouve. Le clip est juste super clean franchement. Bien joué à toi. Et pour ce qui est de la note, évidemment, ce sera un joli 8 sur 10 également pour toi. Bon, on a vu tous les clips et il y a vraiment 4 clips selon moi qui sont au-dessus du lot. On a le clip de Trex, on a le clip d'Onyx, de Raftcraft et de Viper. Ces 4 clips-là, selon moi, sont vraiment très très bons. Il y en a qui sont un peu plus skillés que d'autres, il y en a qui sont un petit peu mieux édités, d'autres qui sont plus jolis visuellement avec des maps perso, etc. Il y a vraiment des choses intéressantes et c'est dur pour moi de faire un classement. Donc désolé par avance si jamais vous êtes du coup en dehors du top 3. Sachez que vos clips auront
vraiment été intéressant. Sachez également que le niveau du concours clip globalement a été, je pense, le plus élevé au niveau des clips de drift pour ce mois-ci. Si jamais votre clip n'a pas été sélectionné, sachez que vous aurez d'autres chances les prochains mois, évidemment, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas à tous les participants. Bon, en premier, je dirais quand même le clip de Trace qui a été quand même vraiment très très joli, donc bien joué à toi pour la première place. Et pour les trois derniers clips, j'ai dû revoir plusieurs fois chaque clip pour vraiment être sûr par rapport aux notations que j'ai faites, etc. Et finalement, j'ai les 2 et 3e de ce classement des concours clips. La seconde place, elle ira à Raftcraft, du coup, qui nous a fait son petit clip, son petit editing et son scénario même avec sa Blackwing. Franchement, bien joué à toi pour l'effort. La dernière place se joue donc entre Onyx et Viper, et elle ira à Viper. Désolé Onyx, je suis vraiment désolé, t'as vraiment fait un super clip en plus de ça. Mais j'avoue que ta petite phrase t'a un petit peu mis une balle dans le pied tout seul. Le fait de dire en vrai c'est un truc simple mais beau donc vas-y pourquoi pas, bon j'avoue que ça me donne pas trop envie d'y croire. Donc voilà, c'est cette petite phrase qui t'aura peut-être fait défaut au final. Bon, le clip a été quand même un petit peu moins bien fait, moins prévu on va dire, moins organisé, donc c'est peut-être ça également qui te vaut quelques points. Mais globalement ton clip était vraiment au niveau et il aurait pu valoir un top 3, bien joué à toi quand même. En tout cas de mon côté j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour les gagnants, n'hésitez pas à venir contacter sur Discord ou à venir directement contacter Vexy également, il est sur Discord, il n'y a pas de souci, vous pouvez le trouver facilement, n'hésitez pas. Bravo à tous les participants, j'espère que ça vous aura plu, à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à rejoindre du coup le serveur Discord pour avoir le prochain thème du mois à venir. Si jamais ça vous a plu, pensez bien vous abonner, liker, partager et commenter. Moi je vous dis au mois prochain.